nouveaux bugs. Les nouveaux bugs à découvrir. Ah, qui passe les nouveaux bugs avec nous, vas-y. Ouais, vas-y, ouais, c'est pas mal ça. Ça va faire le bordel. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Nouveaux bugs, jingle. Ouais, mais il y a pas de jingle, donc je veux bien. Pourquoi tu veux pas de jingle? Il y en a pas. On a plus de jingle. Non, mais il y a pas. Si, il y a Cédric qui fait. Ouais, il y a, non, mais il y a ça, ouais. C'est Cédric, c'est jingle fait maison, quoi. Bah, c'est le, ouais, le traditionnel. Non, mais c'est demain pour le top bug, il y a le jingle. Jingle. Voilà, tu vois, du fait maison, mec. Ah, c'est super. Ah ouais, ça c'est du fait maison. T'as entendu? Tu veux danser, man, un peu? Non, mais. Cadeau. T'as pas envie de danser sur la musique de l'autre veau, là. Le veau, c'est Cédric. Parle bien, ma gueule. Ah. Tu vas faire quoi? Bah là, il danse, là. Je vais t'en coller une. Oh. Des menaces. On a dit qu'on arrêtait avec la violence. J'ai entendu le témoignage de Guillaume. Allez, plein de messages. Plein de messages que vous avez laissés pour Guillaume. Vous êtes déchaîné ce soir. Ouah, wow, bah, je veux le taper. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un bug en, à traduire. Ouais, le premier, là. Si vous avez des problèmes pour vous exprimer, attention, voici tout de suite un bel exemple de personne qui a un problème pour s'exprimer. Moi aussi, vous avez vu, chaque fois qu'on fait le top bug, j'ai du mal à sortir. Faut apprendre à parler, ma gueule. C'est ça. Ouais. Comme si c'était contagieux. Je sais pas si ça te le fait, man, mais moi, à chaque fois. La même chose. Écoutez bien. Ah, voilà, c'est comment cher comme ingénieur? Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a personne n'a trouvé pour l'instant. Eh ben, ça commence bien. T'as regardé tous les messages? Ouais, j'ai regardé tous les messages, là. Personne n'a trouvé. C'est comment cher comme chien? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute bien, comment Eman. Comment c'est cher comme chien? Non. Écoute bien, Eman. Ah, c'est comment cher comme ingénieur? Qu'est-ce que t'en penses? Il m'énerve, ce chien. Il m'énerve, ce chien. Non, c'est pas ça. Et eh ben, ça commence bien. Non, je sais pas comment je viens. Non, c'est pas ça, Cédric. Toi, tu viens vite, Cédric, en général. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Ce chien. Non, il est grand ce chien. Il y a pas de rapport avec le chien, voilà. Il est grand ce chien. Il est grand ce chien. Non, eh ben pas de chance. Ceux qui ont mis des chiens, t'es con comme mon chien. On nous dit là sur SMS, c'est cher comme chien. Tu connais un chien, j'ai tout ça. L'autre veau. Bon. Tu connais un alors, Julien. Tu penses à j'ai baisé l'autre veau. Peux-tu nous resituer dans quel moment de l'émission ça serait passé ça? Mais toi, mec, ça a mal se passe. Attends, mais on ne sait pas de qui il parle. Du calme, Cédric. Tu peux laisser Eman parler, s'il te plaît. Alors, il aurait dit ça quand? J'ai baisé l'autre veau, Romano. Au clash de la vague, évidemment. Mais concernant qui? On se demande. Bah oui, c'est pas. Est-ce que c'est j'ai baisé l'autre veau? Non, c'est pas ça. Alors, bien tenté. Que veut dire? Ça, c'est comment cher comme ingénieur. Ça. Ça, c'est comment cher comme ingénieur. C'est cher comment je viens, nous demande Rapsel. C'est cher Rapsel. Ce machin. Non, c'est pas ça. Ça le fait à chaque fois c'est que je viens. C'est cher comme chien. Pour l'instant, c'est cher comme chien. Non, je t'ai dit, y a pas de rapport avec le chien. Est-ce que ça commence bien? Oui, vous avez tout ça, vous avez compris. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien, nom d'un chien. Non. Qu'est-ce qui commence? Cette histoire commence bien. Je vais vous aider. Y a pas de chien. Qu'est-ce qui commence bien? Non. Problème du mois. Non. L'émission commence bien. L'émission. Non. Le problème du mois. Le clash commence bien. La soirée commence bien. T'as dit quoi, Eman? Le clash commence bien. Non, c'est pas ça, Eman. Cédric commence bien. Ah non. Non, Cédric a une tête de chien. C'est pas ça. Non, il y a pas de chien. Y a pas de chien. Le problème du mois, ça commence bien. Non. Le clash, le top calme. Bug. Bon, la traduction des bugs. Je vais vous donner un autre indice. Ça commence bien. Ça s'est passé. Je me demande, c'est pas mardi dernier en plus. À peu près, ouais, la semaine dernière. Peut-être même mardi. Ça commence dernier. Bien les bugs. Non. La traduction des bugs. Non. Ça commence bien le nom d'un chien. Non. Putain, ça nous aide beaucoup. Non, pipe en bois. Alors, on va faire un dernier tour et après, ça va y donner la réponse. Donc, laissez vos messages pendant ce temps. Non, c'est pas ça, je t'entends. Mais... Eman, qu'est-ce que t'as dit? Non, Marie, il est content. Est-ce que tu veux passer en dernier là? Tu veux passer en dernier? On commence par Cédric. La semaine commence bien. C'est pas ça, Cédric, mais bien tenté. Putain. Romano. Marie, faut t'embêter. T'as Marie, j'ai dit non d'une pipe en bois. La meuf rit depuis 2 minutes dans le stop. Trop drôle, monsieur Grobedo. Bah, c'est bien d'avoir du public bourré. J'adore ces expressions. Ah, bah, et y en a un qui a trouvé. Oh, l'enculé. J'ai cassé son message. Ah, mais je sais. Moi aussi, mon anniversaire commence bien. Vrai, Romano. Mais on l'a vu. J'ai rien vu du tout. Non, j'avais caché le message. Il a pas tu l'avais caché. Ah, bah, bravo, voilà. Il m'a regardé. C'est qui a trouvé? Bah, c'est moi. Bien joué, Romano. En même temps, c'était mon anniversaire. Bah oui, on est joué aussi, nous. Fable le Suisse. Putain. Fable Suisse. Et ouais. Mon anniversaire. La semaine dernière, les gars, l'anniversaire de Romano. Écoutez. Ah, c'est comment cher comme ingénieur. Anniversaire, comment je viens. Putain, c'est vrai que ça fait une semaine que j'ai 21 ans. Ça y est, c'est vrai. C'est dingue, hein. Ouais. Donc, c'est la semaine dernière. Une semaine. Ouais. Comment? On t'entend mal, Eman. Ça fait des années que t'as 21 ans, en c'est vrai. Bizarre, oui, c'est vrai. Ouais, mais je suis né les années bissextiles, moi. Ah, vous multipliez par 4. Il a en fait 80. Ouais, c'est ça. Ans. Bah, je suis pas loin de la retraite, là. Pas mal. Bon, écoutez bien, donc la vérification, le bug en entier. Ça fait plaisir. 82 euros, je sais pas combien, et 158,24 €. Plus un café, plus un royal. Plus un téléphone, plus une télé. Ah, c'est comment cher comme ingénieur. Ah, ouais, exactement. Cet anniversaire commence bien. Eh oui.
Ce qui me fait chier, moi, c'est que j'avais trouvé en direct. Tu le traduis en direct. Ouais. Je le traduis en direct. Vous avez vu, je fais traducteur dans l'émission, moi. Bah ouais, mais parce que t'es dans les. Oh, mais t'inquiète, avec l'arbitre qu'on a, il va bien te filer un demi-point pour ça. Ah bah, je t'ai donné un point, commence par. Bah ouais, c'est la raison, Romano. Non, 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 non. Donc, un point pour le Suisse, Fable le Suisse. Un point pour Romano et un point pour Fable le Suisse. Et un point pour Romano. On passe au deuxième. Allez, le deuxième. Il a quatre à traduire. Écoute bien, Eman, c'est toi qui donnes le premier la réponse. Eman, tu proposes en premier, les autres, j'écoute pas vos réponses. Attention, c'est parti. T'es prêt? Ouais. On y va. Ah bah bon courage Eman, je le remets quand même celui-ci parce qu'il est pas mal. Mais comment tu fais pour faire des bruits? Ok, il est mignon. Non mais Marie, on t'a dit de ne pas répondre. Marie qui a toujours du mal avec les règles. C'est sorti tout seul. Vas-y Eman. Est-ce que c'est pas pendant le problème du mois? Genre il a mal lu et après. Non. Oh comme il est mignon. Oh comme il est mignon. Non, c'est pas ça. Je remets. Voilà. Mais tout le monde dit ça d'ailleurs. Ok, mignon. C'est le morning de Difool. Non, c'est pas le morning de Difool. Non, c'est pas ça. Si vous ne trouvez pas, c'est tombé l'euro million. Ça veut dire, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est, quoi. C'est tombé l'euro million. Non, c'est pas, ah, t'as vu, moi aussi, on dirait qu'il dit euro million. Ouais, mais c'est non, vrai, c'est ouais. Pas ça. C'est genre, Al Capone, il a dit euro million. C'est le clash de la drague, c'est pas ça? Préciser. Faut préciser. Ah, c'est le clash de la drague. Faut préciser. Voter Romano? Non. Comme c'était mignon? Non. L'autre, c'est un veau? Non. Qui? J'ai essayé. Qui alors? Je comprends pas, depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de parler de veau. Mais non, c'est non, quoi cette histoire de veau? Ah, mais parle de Momo, mais il est pas là, ça se fait pas de parler de lui. Non, je parlais de toi. Tête de veau. Alors, tête de veau! Non, c'est pas ça. C'est quelque chose, ça t'arrive souvent, Romano, quand même. C'est pas tête de veau? De temps en temps, quoi. Alors. Je suis tombé sur un vioc. Non. Pourquoi t'es tombé sur un vioc? Parce qu'il est comme ça. C'est pas ça dans sa tarif. Non mais des fois quand on appelle, je tombe sur des viocs. Alors les messages que vous laissez. Je lui ai pété l'oignon pour Mister X, c'est non, pas non, ça non, 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 non. Je vous aime mes mignons pour Mayotte, c'est pas ça. L'euro million, bon on a dit non, c'est pas c'est ça. Plus simple que ça. Oh putain mes rognons, c'est pas non, ça. Non, c'est pas ça. Comme il est trop oignon pour Tian, c'est un pas appel ça. Un appel bidon. Bah, c'est voter Romano. Non, pété l'oignon. Cédric c'est un couillon, c'est pas non, ça. Non Romano, non Marie, non. Non, c'est pas ça. Non non non. Votez pas Cédric. Non. Il a réussi un appel. Il a réussi un appel. Non, 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 c'est pas ça. Non, t'es pas quand t'as réussi. Je demande un nouveau tour. Non, tu demandes pas un nouveau tour. Un rappel. Non, c'est pas on va lui péter l'oignon. Non, c'est pas ça, Cédric. Et il y en a un qui a trouvé. Ah merde. On va lui péter le fion? Non, non, non. Non, mais il l'a caché, donc tu peux toujours essayer de lire. Moi, je voulais le casser le fion. Mais celui qui a trouvé, il a peut-être qu'un demi-point parce que je suis pas sûr qu'il est. Non, c'est pas le fion. Non, c'est pas le fion. Pas le fion. J'en remets une dernière fois et puis on fait un tour de l'équipe. Allez. Comme t'étais bidon. Moi j'ai une invitation. L'autre il est bidon. Moi j'ai plus d'idée, ça y est, je suis à sec. Beaucoup plus simple. Bon, Marie, pas d'idée. Ah, je suis à sec là. Cédric. Bah j'ai dit. C'est hyper simple. Moi j'ai une invitation. Non, c'est pas ça, Cédric. Il fait une crise dans sa tête. Il fait une crise dans sa tête. Bah précisé. Trouble panique. Non. Votez pour le champion. Non. Non. Bon, personne n'a trouvé, moi non plus. Non. Bah tu peux mettre la vérification. Bon, vérification. On peut pas avoir un indice là? Non, c'est fini. Non, non, c'est non, fini. Ça y est. Ah ouais, on a fait un tour. En plus, il y en a un, je crois qu'il y en a un qui va avoir un demi-point. C'est qui a trouvé? Mais je te dis après parce que je suis pas sûr qu'il ait précisément trouvé. Je préfère réécouter l'extrait. Bon, réécoute. 365 jours par an. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive, Romano, que tu as tout peur? Bah, je suis désolé, tu as eu tout peur. Moi, je me prépare pour le clash de la drague, je suis en pleine concentration là. Ah, la peur et la concentration. Ah ouais, c'est clair, il va le trouver. Ouais, gros, Eman. Je peux avoir un demi-point, c'est moi qui ai dit le clash de la drague en début. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. La drague. Bah, non, mais alors là. C'est vague, mon pote. Dans ces cas-là, on peut dire oui, les missions. Non, je vais donner un demi-point à Jérôme 24, qui a dit que t'avais peur d'un résultat du clash de la drague. C'est pas peur du résultat, c'était plus peur avant le clash. Oui, oui. Bon, ça mérite quand même un demi-point. Un demi-point pour Jérôme, ouais, quand même. Ouais. Pas de demi-point pour toi, Eman, désolé. Quand t'as peur et que t'es concentré, ça fait ça. C'est marrant. Ouais, ouais, voilà. Eh ben, écoutez, très bien. Bon, bah, concentre-toi, on passe au troisième bug. Allez. Écoute bien, Eman. Le troisième bug, Eman, tu proposes en premier et après tout le monde a le droit de proposer. Attention. T'as compris, Marie, la règle oui, ou pas? Donc, tu te tais, Marie, écoute bien. Voilà, Eman. En gros. Tu te grattes un peu. Tu te grattes un peu. Allez, Eman. Tu te grattes un peu. Eman, t'as 3 secondes. Tu te grattes un peu. Allez, Eman. Eman, 3, 2, 1, proposition. Tu te grattes la peau. Non, Eman. Tu as le droit de proposer, tu as dit quoi? Non, gratte un cadeau. Vas-y, Eman. GoPro. Non, Marie. Bien fait, Marie. Attends, putain, j'ai eu un blocage dans la tête. Non, elle gratte un peu. Non, Karim. Il a reçu un coup d'électrochoc. Non, c'est pas ça, Eman. Tu te grattes gros porc. Non. T'es grave alors, non, il faut m'expliquer qui alors tout à l'heure le veau, je ne sais toujours pas qui est-ce, mais qui est gros porc? Bah, c'est Momo, depuis tout à l'heure il parle de Momo. C'est Cédric. Mais non, mais je pense que c'était pas dans la classe, genre il voulait un tour et je lui ai dit tu te grattes gros porc.
C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je remets. Tu grattes un peu. Tu grattes un peu? Bien, Romano, tout simplement. Enfin, je dis ça. Non, tu ne l'as pas dit, gros. Tu ne l'as pas dit, Cédric. Tu ne l'as pas dit, gros. Tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas dit, je gratte un peu. Mais non, tu n'as pas dit ça, gros. Arrête de faire un vote. Qui a entendu Cédric? Moi, je ne t'ai pas entendu dire, tu grattes un peu. Il n'y a pas gros de vote. C'est un peu comme aucun. Moi, je n'ai pas entendu, donc je ne peux pas dire que c'est. Si, je l'ai. Ça fait deux à Romano. Ouais, Romano, tu as deux points pour l'instant. Aucun respect. Ouais, aucun, oui. Ah, mais Iman, ouais, non, mais toi, mon pote. Bon, Iman, zéro. Bon, tout le monde a zéro. Sauf ouais. Romano qui a deux points. C'est ça, Jérôme 24 qui a un demi-point et Fable Suisse qui a un point. Et attention, on vérifie, nous on n'a pas vérifié. Ah, t'as pas vérifié. Vérification. Ben voilà, ouais. Ouais. Tu tires sur les ouinges des autres. Toi. C'est pas ton matos. Tu toi. Grattes un peu. Tu grattes un peu. Oui. Toi tu fumes, toi par contre, non, Romano. Ouais, c'est de la bonne. Ah ouais. Là, c'est chelou là ce soir. Allez, on tu grattes un peu. Ouais, tu grattes un peu, tout simplement. Ben oui, tout simplement, c'est clair pourtant. Tu grattes un peu. Quand on écoute après, on sait. C'est ouais, vrai, c'est, vrai, mais... c'est évident. Et il y a Marocain76 qui avait trouvé aussi. Ah, lui, il est fort, Marocain. Ouais, il trouve souvent en plus, bien ouais. Joué. Et le dernier bug à traduire. Eman, c'est toi qui donnes la là, première réponse. Là, tout le monde joue en même temps. Ouais, non, tout le monde joue Eman en même temps. Premier, ouais. Eman en premier, tout le monde après. Voilà, ok. Allez, et vous quand vous voulez, chez vous. En 2h10. Qu'est-ce que veut dire? En 2h10. D'après toi, en Eman. En 2h, je suis venu. Non, c'est pas ça, Eman. Tout le monde a le en dehors du bahut. Bien, putain, Romano. Ah, ça paraît trop simple. Ouais, c'est clair que c'est simple. Tu vas dire, c'est normal, c'est toi qui l'ai fait. Ouais, ouais, bah, oui, ça, c'est bah, la belle excuse à chaque fois. T'aurais gagné, t'aurais jamais dit ça. Non, mais ce soir, j'ai pas joué. Ah, tu l'as. Ah, c'est pour ça. J'ai assisté, Samy. Ah, ok. Parce qu'il avait besoin d'un assistant arbitre. Arbitre assistant, là, c'était pas ouais, tellement il a géré. Bon, il y en a plein qui ont trouvé en dehors du bahut. Ouais, celui-là était facile. Ah, vous êtes fort. Ah, bien joué. Qui a trouvé le premier? Je vais vous dire ça, je regarde. C'est juste en dessous. Voilà, ici. C'est là. C'est Arne du 91-70. Yes, bien joué mec. Bravo, félicitations, ça veut donc dire ça. En dehors du bahut, vérification. Pour les conseils que vous lui donnez. Non mais il y avait un auditeur qui avait un conseil pas con. En fait, il faut dire que la transaction, elle a eu lieu en dehors du bahut. En dehors du putain. En dehors du bahut. En dehors du bahut. En dehors du bahut. En dehors du bahut. Voilà, vous avez compris. Ah, puis alors, on le sentait venir, ouais, que c'est toi, Marie, qui m'a coupé et après, ça m'a troublé. Ouais, ben c'est ça. Bah, bien sûr, on t'entend. C'est moi, je te trouble. Pas mal, ce bug. Et oui, tu le troubles, Marie. Ah, ouais. Bah, c'est ça. Donc, ça veut dire. En dehors du bahut, tout simplement. Ça fait 4 bugs. Lequel vous préférez? Tiens, écoute bien, Eman, et nous, lequel tu préfères? Lui, là. Ah, c'est comment, cher, comment, Julien? Cet anniversaire commence bien. Ah oui, cet anniversaire commence bien. T'as déjà, je me rappelais plus. Celui-ci. C'est la concentration du clash. Non mais oui. Et la peur aussi. Concentration et peur du clash. Ou alors lui. Tu te grattes un peu. Tu te grattes un peu. Tu te grattes un peu. Ou alors. En dehors du bahut. J'aime bien lui, moi. J'ai particulièrement intelligent. Ouais, ouais, dernier, moi aussi. Ouais. J'aime bien celui-ci, moi. Ouais, bon. Moi aussi. Et quel tu préfères, Eman, toi? Ouais, le dernier, il est bête de bien. Lui, là. En dehors du bahut. Mais écoute, très bien. En dehors du bahut, Marie, les aussi, c'est celui-ci. Ouais, le dernier, aussi. Bah oui. Non, les autres sont pas mal aussi. Pareil. Ah, tout le monde est sur le en dehors du bahut. En dehors du bahut. C'est votre préféré pour l'instant et on verra s'il rentre dans le nouveau classement du Top Bug. C'est demain soir. Le Top Bug officiel. Ouais. Avec vos votes officiels à découvrir demain entre 21h et minuit. Tu seras content, demain, il y aura le jingle. Ah ouais. Très bien. Voilà. Alors, jingle, Cédric. Merci. Ah, c'est bon. Pas mal celui-là aussi. Les résultats définitifs. Alors, premier vainqueur, Romano, 3 points sur 4, pas mal quand même. Non mais pas mal. Ouais, pas non, mal. Ouais. Deuxième avec un point, Fable Suisse, Marocain du 76 et ARND du 91. Bien joué les mecs, un point. Bah, bravo. Juste derrière, il y a Jérôme du 24 avec un demi-point et 0 point tous les autres. Vous êtes bidons. Très décevant. Vous avez vu quand je joue pas, il y a pas de suspense. Très très faible. Je jouerai la semaine prochaine. Ouais, genre quand je joue pas, non mais.